La place de la prévention dans la santé aujourd'hui, c'est évidemment un sujet majeur. On sait très bien que le système de santé français est un système qui est exagérément curatif et qui n'est pas assez préventif. On a un ministère de la Santé qui vient de se renommer, qui s'appelle ministère de la Santé et de la Prévention. C'est une bonne chose. Maintenant, tout l'enjeu du système de santé, c'est de faire émerger la prévention pour qu'elle devienne une réalité quotidienne pour les Français et en particulier pour nous, humanistes, pour nos clients. Alors, notre métier historique, c'est l'assurance santé et l'assurance prévoyance. C'est un métier qui est principalement axé sur le remboursement du coût des soins. On a, j'espère, le bonheur pour nos assurés de rembourser très correctement le coût de ces soins. On a une première mission, c'est de permettre l'accès aux soins sans difficulté financière. Mais au-delà de cette mission, par rapport à ce que j'ai dit juste avant sur les enjeux de la prévention, bien entendu, il faut qu'on réinvente notre métier. Il faut qu'on soit capable aujourd'hui de passer d'un assureur rembourseur à un assureur qui devient le compagnon santé des personnes que nous assurons. C'est quelque chose qui est pour nous au cœur de notre stratégie. Nous souhaitons véritablement proposer des programmes de prévention à nos entreprises assurées et à nos salariés ou à nos assurés individuels, des programmes de prévention qui soient très impactants, qui soient fortement suivi et fortement qui génère une vraie satisfaction de nos clients. Et il y en a un particulier qu'on a présenté, que j'ai présenté tout à l'heure à Medintech, c'est le programme Bilan Cardio. Alors, Bilan Cardio, c'est un programme, je dirais, de nouvelle génération. C'est-à-dire que c'est un programme qui dépasse l'approche traditionnelle de la prévention, qui était essentiellement une prévention appuyée sur de l'information grand public sur les gestes qui sont nocifs pour la santé, l'alimentation qui est bénéfique pour la santé. Le modèle classique, c'est manger 5 fruits et légumes par jour. Je crois que ces modèles ne sont pas obsolètes, mais ces modèles aujourd'hui peuvent être dépassés par des solutions qui s'appuient principalement sur l'utilisation de la donnée, sur l'intelligence artificielle, sur le digital et sur l'humain. Et sur des programmes hybrides qui regroupent tous ces composants. Et ce qu'on a essayé de faire dans Bilan Cardio, c'est un programme qui va permettre une personnalisation complète du parcours de prévention de l'assuré à travers des solutions digitales, mais également une intervention humaine, notamment auprès d'un pharmacien et auprès d'un médecin en téléconsultation, et qui va permettre à l'assuré de comprendre par rapport à son style de vie, par rapport à ses antécédents familiaux, que sont son profil de risque particulier, quels sont les risques qui nécessitent une détection médicale, et on va pouvoir orienter cet assuré vers le bon parcours de soins qui lui convient, si jamais c'est nécessaire. Et on va également pouvoir proposer à cet assuré d'agir sur ses facteurs comportementaux, ce qu'on appelle la prévention primaire, mais de façon adaptée à son profil. Et ce que je crois, c'est que quand on propose des actions qui sont adaptées à mon profil et lorsque j'ai compris mes facteurs de risque, je suis plus incité à agir sur mes facteurs de risque et donc à mettre en œuvre les propositions de prévention qui me sont proposées. Voilà, ça c'est le résumé du programme Bilan Cardio qu'on a proposé en 2022 l'année dernière à 10 000 personnes déjà et qu'on va proposer cette année à plus de 150 000 personnes. On va évaluer les résultats, on va évaluer l'impact. Et si jamais tout ça fonctionne bien, on le proposera à nos 10 millions d'assurés dans les années qui viennent.